Sur la table de communion, un cadavre était allongé, nu. Les bras étendus étaient perpendiculaires au corps. Les jambes attachées ensemble à l'aide d'une corde. C'était l'image du Christ crucifié. Un meurtre dans cette église vieille de 8 siècles. Nous sommes dans le petit village de Grillon, au cœur des Alpes vaudoises. C'est là que démarre l'enquête de l'inspecteur Andreas Auer, le héros du livre de l'écrivain genevois Marc Woltenhauer. Dans son huis clos, les lieux sont bien réels. La fontaine, le buffet de la gare et surtout le café pomme, où les protagonistes de l'histoire ont leurs habitudes, y compris le meurtrier. Le simple fait de savoir qu'un meurtrier se promenait en toute impunité dans le paisible village de Grillon était de nature à réveiller la peur chez chacun des habitants. Il avait même entendu une vieille femme dire « Il est peut-être dans ce restaurant parmi nous ». Un meurtrier dans votre restaurant ? Mais oui, quand j'ai appris ça, je regardais tout le monde avec suspicion. Bonjour Magali. Ce jour-là, les habitués font bon accueil à l'écrivain qui a mis leur petit village sur le devant de la scène. Je viens juste de découvrir le cadavre. Comme je disais tout à l'heure, c'est de sentir quelque chose d'aussi effroyable qui se passe dans un tout petit village qu'on côtoie tous les jours. Ça promet. On peut lire des livres qui se passent à Paris, dans les grandes villes du monde. Bon, mais là, c'est vraiment chez nous, donc ça donne une autre dimension à la lecture. Vous avez reconnu le meurtrier ? Je pense, oui. Mais je ne vais pas en dire plus. Parce que... Un thriller à la sauce suédoise, mais 100% terroir, la recette fait un tabac. En quelques mois, Marc Woltenhauer a vendu près de 6000 exemplaires. Et c'est toute la région qui en profite. Rien qu'au kiosque de Villars, 400 exemplaires écoulés. Il se vend super bien. Je n'ai jamais vu un livre qui se vendait aussi bien que celui-là. Il est génial, beaucoup de personnes disent que quand ils commencent à lire le livre, il ne faut pas faire la cuisine en même temps parce que voilà, vous êtes pris dedans. Elle-même habite à La Laiterie, un des lieux les plus inquiétants de l'histoire. Ici, tout le monde attend la suite du livre promise par l'écrivain. Le dragon du Muvran, dont la légende plane sur Grillon, n'a pas dit son dernier mot. Andreas poussa la porte en bois massif qui émit un crissement et pénétra dans le narthex du temple. Sur la table de communion, un cadavre était allongé, nu. Les bras étendus étaient perpendiculaires au corps, les jambes attachées ensemble à l'aide d'une corde. C'était l'image du Christ crucifié. Un homme, la cinquantaine probablement. Un énorme couteau était planté dans son cœur. Autour de la plaie, du sang séché formait comme un réseau de ruisseaux du haut de la poitrine jusqu'à son sexe. Ses yeux avaient été enlevés. Les orbites ressemblaient à deux trous noirs. Personnellement, aucun problème qu'un roman commence ici. Le lieu est accessible. C'est plausible qu'une fois un cadavre puisse être déposé ici. Je ne le souhaite pas, ni pour les gens d'ici, ni pour les collègues qui travaillent ici, parce que j'imagine le choc que cela peut être. À l'extrémité du couteau, une cordelette avec un morceau de papier, Andreas le détacha, après avoir pris soin de mettre des gants en plastique. Il y lut les mots suivants. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ? Je dirais que je suis énervé par l'instrumentalisation que le meurtrier fait des textes bibliques. Mais en même temps, cette instrumentalisation, elle est possible, elle est accomplie par un certain nombre de choses, donc je ne suis pas choqué. Je suis énervé de me dire, tiens, mais cette interprétation existe. L'homme, qui n'était pas un meurtrier, contemplait le Muvran. Il était satisfait. La veille avait été un moment jubilatoire. Il avait ressenti la terreur et la panique d'Alain Gauthier à l'instant où il avait repris connaissance. Il lui avait sectionné les yeux de son vivant. Il s'était senti invincible.
ce matin, il était allé prendre son petit déjeuner au café Pomme. Il était devenu un habitué au cours des dernières semaines de ce lieu situé au centre du village de Grillon. J'aime beaucoup cette manière de montrer que le meurtrier est présent et puis ça ouvre toute une série de pistes tout au long du livre. On se demande mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est un homme, une femme, quelqu'un du village, quelqu'un d'ailleurs ?